Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, on va faire un petit unboxing d'un tensiomètre numérique avec un grand écran, avec un écran LCD de 12,9 pouces, donc un très grand écran, équipé de deux mémoires bien distinctes. Vous allez pouvoir donc utiliser ce tensiomètre à bras avec son calendrier, puisque quand vous allez prendre votre tension systole, diastole, battement cardiaque, etc., votre tension en général, eh bien, tout sera noté dans le tensiomètre, donc Hilogy, un tensiomètre donc à bras, qui vraiment, avec son grand écran, est parfait pour suivre sa santé. Voilà, donc on est en présence d'une boîte rectangulaire. Je vous mets donc ici en gros l'image donc que l'on peut rencontrer sur cette boîte, donc le tensiomètre. Déjà, on peut s'apercevoir que ce tensiomètre a l'air de très bonne facture. Avec les différents specs derrière, c'est donc une boîte tiroir où on va glisser pour avoir accès au carton. On arrive sur un carton classique qui s'ouvre par devant avec la marque Hilogy. Alors, j'ai eu en cadeau ce tensiomètre. Et j'ai trouvé donc intéressant de vous le présenter de par la taille de l'écran 12,9 pouces, donc un très grand écran, de par sa simplicité et aussi de par la grosseur des tailles. Ça peut vraiment servir à une personne malvoyante, ce qui peut être vraiment très intéressant. Alors, on va continuer à déballer ce tensiomètre. C'est très bien emballé. Alors, nous voici donc en présence de ce tensiomètre. On peut voir déjà au niveau de l'écran, on a un très grand écran. Ça va être vraiment très agréable. Ce tensiomètre, lorsqu'on le pose sur une table, l'écran va être dirigé devant vous, ce qui veut dire que, assis, vous n'aurez pas de problème pour aller voir ce qui se passe sur l'écran. Malheureusement, ce tensiomètre n'est pas du tout vocalisé. Mais j'avais fait une autre présentation d'un autre tensiomètre. Je vous mettrai le lien en haut à droite, ici, dans la description. Je vous le mets ici en très gros pour que vous puissiez l'apercevoir sur votre écran. On va continuer le déballage. On tombe ici sur le brassard qui est mis dans une pochette plastique. Et le brassard, on se croirait vraiment sur un brassard. C'est vraiment un brassard de très bonne qualité. On est vraiment sur un brassard tel l'aurait un médecin. On a le petit tuyau ici avec son embout qui va se brancher sur l'appareil. Dans la boîte, on a donc une notice qui sera bien sûr en français, qui sera traduite, et la carte de garantie de 24 mois. La personne qui me l'a offert l'a trouvé sur Amazon et ceci pour moins de 25 euros. Alors je l'ai trouvé vraiment très peu cher. Je vous mettrai le lien dans la description si ce tensiomètre vous intéresse parce que je le trouve vraiment très sympathique. Alors, ce tensiomètre brassard, pour fonctionner, a besoin de 4 piles AA. Donc, malheureusement, ces piles ne sont pas fournies avec l'appareil. Ça aurait pu être sympa d'avoir les piles livrées avec l'appareil. Mais ce n'est pas le cas. Donc, une fois que vous aurez mis vos 4 piles, par rapport à l'écran de 12,6 pouces, on a sur le côté droit de l'appareil trois boutons. Le premier bouton en haut à droite est le bouton, c'est le bouton Setting qui va vous permettre de gérer les différents programmes, les différents paramétrages, heures, dates, etc. par rapport au tensiomètre. Juste dessous, on aura le bouton pour les différentes mémoires. On a 90 possibilités de mémoire, l'appareil capable de gérer jusqu'à deux personnes. Et juste dessous, on a donc un gros bouton de couleur bleue qui démarre et qui arrête le tensiomètre brassard Hilogy. Donc c'est un appareil de très grande taille. Petit problème par rapport aux personnes déficientes visuelles, attention puisqu'il n'y a pas trop d'éclairage à l'arrière de l'écran et ce sont des chiffres gris-noir numérique, donc il faut malgré tout avoir un petit peu de vision pour réussir à percevoir ces chiffres. Au niveau du brassard, on le connecte sur le côté gauche de l'appareil et juste derrière, si vous ne voulez pas utiliser
de pile une possibilité de le connecter en permanence au courant alternatif. Pour résumer par rapport à cet appareil Ilogi tensiomètre numérique à bras, on a quand même un bon appareil. On sent que c'est un appareil vraiment de très bonne facture, de très bonne qualité. Il donne parfaitement bien tout ce qui est donc systole, diastole, battement de cœur. La tension en général est correctement donnée, puisque je l'ai fait vérifier par mon médecin. Alors ce tensiomètre n'est pas connecté, c'est vraiment un tensiomètre à part entière. Malheureusement, il n'est pas vocalisé. L'écran n'est pas optimisé pour quelqu'un de très malvoyant. C'est dommage. Bon, les boutons, on les ressent très bien. On n'a que trois boutons, donc très simple d'utilisation. On va se faire une petite prise de tension. Voilà, donc au niveau de la tension, ça se passe très rapidement. Ici, on a donc les résultats et on peut l'enregistrer dans la mémoire sans aucun problème. Je vous mettrai le lien de ce tensiomètre que l'on trouve sur Amazon dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo et à bientôt. Salut à tous!